Qu'est-ce que la mécatronique ? Conjuguons les talents. La mécatronique, c'est à la fois de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique pour concevoir des systèmes intelligents et améliorer les performances de tout type d'équipement. En véritable bricoleur de génie, ces professionnels conçoivent, testent et réparent les appareils high-tech. Ces professionnels polyvalents imaginent des systèmes toujours plus performants. Leur challenge, résoudre des problèmes en respectant les normes de qualité et de sécurité. Ils maîtrisent des logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur. Des connaissances solides en mathématiques, en physique et en informatique sont indispensables. Rivé devant son ordinateur, ce professionnel peut utiliser des circuits imprimés et des bancs électroniques. Ce métier s'exerce en entreprise dans des ateliers ou des hangars, ainsi que dans des laboratoires de recherche et de développement. Les mécatroniciens travaillent dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie, la robotique ou encore le médical. Très variable, le salaire de départ d'un technicien est le SMIC. Celui d'un ingénieur mécatronicien débutant varie de 2900 à 3100 euros brut par mois. Les besoins sont particulièrement importants dans la maintenance où l'on recrute dès le niveau technicien. Des progressions de carrière sont possibles en tant que chef de projet. Pour se former au lycée ou au CFA, on peut préparer un diplôme du bac pro au BTS ou un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.